Eh bien, salut à tous, c'est Shadow 2000 et aujourd'hui on est parti pour la bataille de Carthagène, la bataille navale de Attila Total War, est une des batailles que je déteste le plus. Si vous saviez combien de fois j'ai dû recommencer. Alors, j'ai pas trouvé d'infos sur la bataille en elle-même, mais je peux vous parler de la situation à cette époque-là, que je connais plutôt bien. Donc, pour rappel, à partir des années 300, il y a une vague de Huns qui arrive petit à petit, qui a poussé pas mal de peuples, plutôt au niveau de la Russie, de l'Ukraine, et puis par la suite de la Germanie, à partir vers l'ouest. Ainsi, on retrouve des peuples, notamment les Visigoths, qui vont traverser toute l'Europe. Et donc, on a pas mal de peuples qui bougent. Certains vont s'installer de gré ou de force ailleurs, comme les Ostrogoths et les Goths en général au niveau de la Thrace. D'autres vont disparaître tout simplement. D'autres vont faire des invasions histoire de gagner le territoire parce qu'ils peuvent en profiter ou parce qu'ils en ont besoin, comme les Francs par exemple au nord, ou les Burgondes. Et d'autres encore vont tout simplement se déplacer, envahir la zone. C'est le cas notamment des Scandinaves. Et notamment dans ces peuples scandinaves, vous en avez un, les Vandales, qui a été repoussé par ses voisins, qui d'ailleurs par la suite vont envahir l'Angleterre. Et a dû traverser toute l'Europe jusqu'en Espagne où il a enfin trouvé un peu de territoire. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, Rome décide d'accorder, si on peut dire ça comme ça, des territoires à certains peuples. Ça va être le cas des Suèves au nord-ouest de l'Espagne, des Bretons, même s'ils sont un peu imposés. Ça va être aussi le cas du royaume Visigoth en Aquitaine. Et il se trouve qu'en fait, lorsque la bataille des champs cataloniques sera finie, que les Huns ne sont plus une menace, certains de ces peuples vont plutôt bien se trouver à cet endroit-là et ont décidé de ne plus être simplement défédérés, mais de partir en fait à la conquête de ce qu'ils peuvent au niveau de l'Empire romain d'Occident. Et ça sera le cas des Visigoths, qui vont tout simplement défoncer les Vandales en Espagne et les repousser, ce qui fait qu'ils vont être obligés de partir en Afrique. Mais en Afrique, ils vont tomber sur la ville de Carthage qui ne sera pas défendue. Et qu'est-ce qu'il y a dans Carthage? Il y a la flotte romaine d'Occident. Toute la flotte, quasiment. Et donc ça va pas trop plaire aux empereurs parce que non seulement ils viennent de perdre l'Afrique, mais aussi leur réserve de nourriture principale parce que c'est là où il y avait leurs champs, mais aussi leur flotte. Donc ça leur plaît pas du tout. D'autant plus que les Vandales qui n'avaient jamais mis le pied sur des navires vont devenir d'excellents marins et surtout d'excellents pirates qui vont prendre la Sicile, la Sardaigne, la Corse. Et piller pas mal de villes, dont Rome elle-même, ça va pas du tout leur plaire, et ils vont décider à deux ou trois reprises de les attaquer. Sauf que dans toutes ces situations où ils ont décidé de leur déclarer la guerre, et ils ont jamais réussi, ce qui a donné aux Vandales un statut un peu de pays invincible jusqu'à l'arrivée de Bélisaire. Et du coup, en fait, là on va jouer Carthagène, une bataille navale entre les Vandales et les Romains. Et ce sera l'une des grandes batailles justement qu'il y aura où les Romains vont être repoussés. Alors ce sera, ils vont être repoussés plusieurs fois, que ce soit sur la terre ou sur la mer, mais à chaque fois ils vont perdre. Bon, on va lancer. Vous pouvez le voir assez rapidement, on a un gros désavantage au niveau des armées. Ils ont deux bateaux béliers, parce qu'il pour rappel, il n'y a plus de béliers à l'avant des navires dans Attila, sauf pour eux. Deux bateaux béliers, ce qui est beaucoup. L'empereur romain Majorien a construit une flotte avec laquelle il a prévu d'envahir l'Afrique du Nord, occupée par les Vandales. Conscient des possibilités d'une attaque, les Vandales ont frappé les premiers avant que la flotte romaine ne devienne invincible. Un nombre de capitaines romains d'Occident a été corrompu. Ils se battent désormais aux côtés des Vandales. Vaincre les Romains à Carthagène mettrait fin à leur ambition de reconquérir l'Afrique. Alors, il va falloir aller vite. Je pense avoir enfin trouvé la tactique qui permet de gagner ici. Donc, on envoie nos deux archers ici, l'archer à gauche. Les deux archers sont suivis de ces TPistes. Ici, on fait bien attention de focus l'arbalétrier. Si je peux couler l'arbalétrier, ce serait génial.
Donc là, le but, c'est en fait tout simplement de séparer la flotte. Vous voyez, déjà, j'ai réussi à en séparer un. On va essayer de séparer le reste de la flotte également. Alors ça, par contre, c'est pas cool. On va essayer d'éloigner pour pas qu'il se fasse tuer, sinon je vais vraiment prendre très cher. Alors apparemment, c'est bon, j'ai coulé l'autre là-haut. Lui, il va se faire percuter, mais au moins je vais le choper. Regardez, boum. Allez, coulé. Ici, comment ça se passe? Lui, il a arrêté de la poursuite, je sais pas pourquoi. Bon, soit. Lui, il va pas tarder à mourir. Voilà, on va le choper. On va les choper. Donc là, le but était bien sûr d'éloigner le plus de monde possible. Ça a plutôt bien marché. Ah, apparemment, il risque de perdre. C'est assez bizarre. C'est qu'un bateau bélier. Mais bon, on va le terminer, le bateau bélier. Logiquement, en un coup. Ah non. Il veut pas. Bon, on va repercuter alors. Alors, leur général est définitivement mort. C'est bon pour le moral. Encore un petit coup. Ici, on va viser le navire bélier. Ici, j'ai réussi à perdre un archer. C'est génial. Ensuite, toi, t'as fini. Tu reviens. Et tu vas aller percuter. Normalement, en un coup, il est one-shot tous. Il restera un mec là-bas et ça sera bon. Ici, ils ont fini. On les ramène. On va le faire passer un peu sur le côté pour mieux percuter. T'as déjà donné ton bonus, c'est dommage. Là, on le chope. Alors, ça, c'est celui de l'ennemi. On va aller le percuter en priorité. Si je peux le détruire. Attention. Non, dommage. Faut savoir que normalement c'est sur le côté le mieux. De mémoire. Allez, encore un coup. Et ah, voilà, même pas besoin, ça c'est cool. Limite, on va faire ça en fait. Alors ici, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il va réussir? Non, pas en un coup. C'est pas grave. Et on a encore des navires qui arrivent. Et on a encore plus de monde. Sans parler du bateau bélier et l'artillerie bien sûr qui fait un gros tap. Voilà. Voilà. Toi tu pouvais arrêter de le pousser mais de le taper, ça serait mieux. Surtout qu'il manque un coup. Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, c'est l'autre navire qui le bloque. Alors, vous venez ici. Toi, je vais te mettre en mode rechargement. Au pire, j'irai taper l'autre navire, hein, c'est pas grave. Alors, si mon navire à moi, il pouvait se pousser, par contre. Ok, alors, tac. Tac. Ok, lui, il est mort. D'ailleurs, mon général, je crois qu'il a pris un coup, là. Qu'il a pas dû apprécier. Et voilà, et lui il a pris feu en plus, c'est génial. Victoire! Carthagène est finie. Une bonne chose de faite. J'ai horreur des batailles navales dans Attila. Autant dans Rome je kiffe, autant dans Attila. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, parce que moi elle m'a pas fait plaisir du tout. Carthagène, j'ai dû la faire une quinzaine de fois avant de trouver la tactique. Et je rigole pas. Elle est horrible en légendaire, elle est horrible. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut les gens.